Olyan régóta állok itt. Oly sokat láttam, hallottam. Hadd meséljek el egy történetet a letelepedni vágyó Gadolról és társairól, akik hosszú bolyongás után érkeztek ide. De szép vidék! Mi csak egy burgonyaföld. Fantasztikus! Milyen barátságos kis torony. Szerbusz torony, mi újság? Hello! Semmi különös. Mi járatban erre, ahol a madár se jár? Évek óta vándorlunk, viszonttagságok közt. Fáradtak vagyunk. Tetszik ez a föld, jó lenne itt letelepednünk. Ki ez a föld? Azé, aki megműveli. Un groupe d'hommes entre en scène. Une personne portant un costume de pierre les accompagne. C'est le monument du collectivisme. Il semble épuisé d'une longue errance. Il s'installe au pied d'une tour de télégraphe abandonnée pour se reposer. En découvrant le télégraphe et le champ de pommes de terre sur lequel il se trouve, Gadol, le leader du groupe, suggère qu'il s'installe ici pour de bon. Un débat houleux s'engage entre les hommes. Finalement, le groupe tombe d'accord et décide de s'installer. C'est alors que le monument du collectivisme déclame les lois de la communauté. Vous vivrez en paix pour toujours. Vous travaillerez la terre et récolterez ensemble. Vous partagerez la récolte et toutes vos affaires. La terre appartient à ceux qui la travaillent. Vous prendrez toutes les décisions collectivement. Tous les membres contribueront en fonction de leurs capacités et recevront leur part de pommes de terre en fonction de leurs besoins. Une discussion commence où les membres s'engagent à construire un château d'eau, un espace de stockage pour les pommes de terre, ainsi qu'une maison communautaire pour abriter les futurs débats. Sans hésiter, ils commencent gaiement à construire des logements de fortune. Les constructions achevées, ils font la fête tous ensemble. La fête est interrompue par l'entrée en scène d'un personnage en costume d'alien. Les membres s'immobilisent brusquement à son arrivée. L'alien passe un appel à partir d'une cabine téléphonique, rapportant à son peuple l'histoire fascinante de cette nouvelle communauté humaine. Allô, allô, j'ai ici quelque chose que je n'ai jamais vu avant. Des humains envisagent de vivre en paix, dans le partage et dans l'égalité. Je vais rester un moment ici, afin d'observer la suite des événements. Peut-être que nous pourrions apprendre quelque chose de cette expérience. Je vous tiendrai au courant de ce lieu étrange. Terminé. L'alien s'en va et la fête reprend. La partie se termine soudainement lorsque les membres se rendent compte de toute la saleté et de la crasse accumulée au cours de leur longue errance. Ils puent et leurs cheveux sont en bataille. Ils se réunissent dans la salle communautaire pour débattre de la question. Suivant la suggestion de Gadol, ils décident d'appeler un coiffeur qui serait payé en pommes de terre par la communauté. Megszavaztuk, hogy közkrumpliból fizetjük a borbét. Quand le coiffeur arrive et offre ses services, chaque membre demande une coupe de cheveux différente. Une frange, une coloration, une permanente, un chignon. Alors que le coiffeur fixe des prix différents pour les différentes coupes de cheveux, un chauve exprime sa frustration et estime que le service payé par les pommes de terre n'est pas juste, comme lui-même n'a pas besoin d'une coupe de cheveux. Cette remarque déclenche un vif débat entre les membres. Le coiffeur repart et la communauté retourne à la table de discussion. Gadol suggère d'introduire des pommes de terre de poche qui seraient distribuées régulièrement parmi les membres et qui seraient dépensées en fonction de leurs besoins individuels. Mais sa proposition reçoit une forte opposition de la part d'un petit groupe têtu issu de la communauté dirigé par le monument du collectivisme. Rappelez-vous les principes du collectivisme. Ceci marquerait votre chute. Cependant, la majorité des membres soutient l'idée des pommes de terre de poche. Aucun accord n'est conclu, mais l'acte est tout de même passé. Exigeant l'abolition de la pomme de terre de poche et la révision du conflit sur la coiffure, la minorité tente de renverser la domination de la majorité dans une lutte acharnée. Öt kor az emlékműnél, add tovább. Éljen a kollektivizmus. Fegyverbe, ifjak!
A zsebkrumpli törvény szemben áll a kollektivizmus elveivel. Követeljük a zsebkrumpli törvény azonnali hatályú eltörlését. Követeljük a Barbie vita azonnali revízióját. Mi? Nem. Így van, a többség nem. A zsebkrumpli törvény a többség akarat, a kisebbségben vagytok, hódoljatok be a közösségi akaratnak. A kényelem és a luxus ördögi érintése. Csak a magasabb szellemek nagyság előtt borulunk le. Kollektivizmus! Elárultátok a közösségünket! Takarodjatok az asztaltól! Anyátokat, nem vagyunk! Takarodjatok! La bataille est interrompue par l'alien. La scène se fige et l'alien appelle son peuple. Allô, allô. Une série d'événements intéressants et inhabituels viennent d'avoir lieu dans cette étrange colonie humaine. Tout à coup, ces créatures ont commencé à se quereller sur quelque chose que je ne comprends pas. Une énorme bagarre a éclaté. C'est très choquant. Elle a lieu à l'instant même. Je vous tiens au courant. Je dois courir. Terminé. L'alien repart et la lutte reprend. Après l'échec du coup d'État, la minorité, menée par le monument du collectivisme, quitte la maison communautaire pour rejoindre une autre colonie, derrière le château d'eau, au bord de la Seine. Gadol tente à nouveau de régler le débat entre les deux communautés ennemies qui vivent maintenant côte à côte. Il suggère de planter deux arbres entre les deux camps pour symboliser leur amitié éternelle. Van egy ötletem. Ültessünk két fát, egyet nekik, egyet nekünk. Közösen, barátságunk és az örök béke jelképeként. Holnap után együttes erővel ünnepélyesen elisztetjük őket. Mi lenne akkor, ha ültetnénk két fát? Egyet nekik, egyet magunknak. Jó. Szerintem legyen ez. Akkor szavazzunk, nem azért? Szavazzunk. Lorsqu'enfin les deux communautés acceptent, Gadol prépare le terrain pour la cérémonie de la plantation des arbres. Le jour dit, il pleut tellement que la célébration est reportée. Il reporte par deux fois l'événement, mais il pleut à chaque fois. La troisième fois, Gadol perd patience et entreprend de planter des arbres de paix sous une pluie violente. Quand la pluie s'arrête enfin, Gadol étend une ligne de linge entre les deux arbres pour sécher ses vêtements trempés. La scène se fige et l'alien entre pour faire son rapport dans la cabine téléphonique. Allô, allô. Il y a là un être exceptionnel parmi ces humains. Il est vraiment remarquable, différent de tous les autres. Il semble placer tout son effort à assembler les communautés ennemies. Mais en vain. Je dois y aller maintenant. Terminé. L'alien s'en va et la scène continue. Les membres de la nouvelle colonie commencent à taquiner Gadol pour avoir accroché ses sous-vêtements sur le monument de l'amitié. Quand ils lui jettent des pommes de terre, les membres de la communauté majoritaire paniquent en croyant qu'ils sont attaqués. Ils décident rapidement de la construction d'un mur pour se protéger contre les agressions de leurs voisins ennemis. Lorsque le mur est érigé, les membres célèbrent l'événement et inaugurent le mur avec un panneau qui dit « Le mur de la paix éternelle ». Újabb dicső pillanathoz érkeztünk. Emeljük poharunkat az örök békére hatalmas fal árnyékában. Bravo, 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 bravo. La colonie majoritaire n'aura plus à craindre les attaques de ses voisins une bonne fois pour toutes. Mais ils n'ont pas pensé à une chose. Gadol, le premier, se rend compte que le château d'eau est maintenant derrière le mur. Tout à coup, les membres réalisent qu'ils n'ont pas d'eau pour irriguer leurs champs de pommes de terre. Most mi legyen akkor? Nem tudom. Most mit csinálunk? Gyűjtsünk esővizet. Van egy ötletem. Tárgyaljunk velük. Kérjünk tőlük vizet. Le débat sans fin dans la maison communautaire est une fois de plus résolu par Gadol. Les membres le désignent pour aller faire la paix avec la communauté voisine et leur demander l'usage de l'eau. Kérlek, adjatok nekünk vizet! Nem adunk! Nem élhetünk víz nélkül!
Egyre nő a közös költség, ketyeg a vízóra, szükségünk van az összes vízre. Amúgy meg miért is adnánk nektek bármit? À la suite des négociations, les voisins acceptent de leur accorder l'accès à leur eau usée, que les membres devront épurer et transformer en eau exploitable pour l'irrigation. Gadol construit la réserve des eaux usées, un petit étang près du mur où l'eau sale des voisins est recueillie. L'étang devient bientôt le territoire de nidification de plusieurs espèces d'oiseaux. Gadol se lie d'amitié avec les oiseaux, il aime passer du temps avec eux et bientôt il les préfère aux membres. La scène se fige lorsque l'alien rentre et passe son appel. Allô, allô. L'observation d'aujourd'hui est que les êtres humains sont capables de vivre en symbiose, dans des relations semblables à celles que nous observons dans la nature terrienne. C'est fascinant. Voici quelque chose dont nous pourrions tirer des leçons. Terminé. La scène reprend alors que l'alien quitte la scène. Un jeune homme entre en jouant de la flûte. C'est le petit-fils de Gadol. Lorsqu'il arrive devant les membres assis à la table dans la maison communautaire, on lui donne l'ordre de travailler la terre et de labourer le champ de pommes de terre, car Gadol est devenu trop vieux pour cela. Le jeune homme à la flûte refuse avec dépit. Il n'est pas né pour le travail de la terre et le travail physique. Son talent réside dans la musique. Après s'être emporté, il décide de quitter la communauté et son grand-père pour parcourir le monde et d'apprendre la musique. Il quitte la scène précipitamment. Seul Gadol lui dit adieu. Peu de temps après le départ du jeune homme, une dame entre en scène dans un luxueux costume d'oiseau. Le vautour du capitalisme fait une offre alléchante aux membres. Mes chers amis, je suis le vautour du capitalisme. Je viens vous faire une proposition d'affaires. Je vois que les rendements de pommes de terre sont en déclin. Vos enfants quittent le nid pour en construire ailleurs. Seul le vieux Gadol cultive encore la terre. Qui va labourer et récolter à présent? Je vais acheter vos terres et amener des travailleurs immigrés afin que vous n'ayez plus à vous en occuper. En échange, vous aurez de petites maisons confortables avec des jardins privés. Chacun d'entre vous recevra une parcelle identique qui n'appartiendra qu'à vous. Après un bref débat autour de la table, oubliant l'un des principes fondateurs de la communauté, les membres acceptent finalement l'offre du vautour. Cher vautour, votre offre est très intéressante. Nous en avons discuté, et même si elle va contre tout ce en quoi nous avons jamais cru, nous allons l'accepter. Après avoir signé le contrat de vente des terres, ils s'en vont immédiatement mesurer leurs parcelles et séparer leurs jardins avec des clôtures improvisées. Gadol observe les événements depuis son petit bateau sur l'étang des eaux usées, entouré des oiseaux. Il a décidé de se retirer dans sa maison et son jardin nouvellement acquis, puisque son travail n'est plus utile à personne. Sur le chemin qui l'amène à sa parcelle, son passage est bloqué par une clôture nouvellement érigée. Gadol est stupéfait, il ne sait plus par où passer. Alors que les membres se moquent de lui dans la maison communautaire, son petit-fils, l'homme à la flûte, revient de ses voyages. Il semble exténué par le voyage, mais en voyant ainsi son grand-père piégé par la clôture, il lui offre son aide. Il creuse un tunnel sous la clôture, lui ouvrant la voie afin qu'il puisse rentrer chez lui. Itt járt a kapitalizmus keselyüje, és felvásárolta a földünket. Most mindenkinek saját kertecskéje van. Lakhatsz a kertemben, ha gondolod. Gadol embrasse son petit-fils fatigué et l'invite à vivre dans son nouveau jardin.
L'homme à la flûte accepte volontiers et une grue installe aussitôt une petite maison de bois dans le jardin de Gadol. Les membres sont toujours assis autour de la table dans la maison communautaire. Ils discutent de la futilité de leur débat et dans une dernière volonté générale, ils décident de dissoudre le groupe. Ils font la fête pour la dernière fois et assemblent un grand feu de joie les éléments de la maison communautaire. Tous les décors et les accessoires sont jetés en tas au milieu de la scène. À la toute fin, l'alien entre en scène, interrompant la fête en passant un dernier appel. Allô, allô. Ceci est mon dernier rapport sur cet endroit. La communauté a volé en éclats. Tout cela était sacrément intéressant. J'ai appris beaucoup de choses sur le comportement de ces étranges créatures. On dirait qu'ils aiment partager et vivre ensemble, mais pas pour trop longtemps. Quoi qu'il en soit, c'est bien fini à présent. Il n'y a aucune raison pour moi de rester. Je rentre à la maison. Terminé. Alors que l'alien s'en va, la fête reprend son cours. Utoljára emelem poharam a történelem eszeletére, a kollektív ember dicső életének 60. évében.